Salam alaikum, Mazoul. Bonsoir. Nous ne dirons jamais assez que la présence de Abdelaziz Bouteflika dans le rôle presque comique, s'il n'était tragique, d'otage et de façade institutionnelle, pour ceux qui règnent en son nom, n'a été possible, cette prise d'otage, que grâce à la complicité, à la connivence, ou du moins au silence complice, de très nombreux acteurs, autant politiques que médiatiques. Une prise d'otage d'un grand invalide qu'on a reconduit à un quatrième mandat alors qu'il ne pouvait même pas faire sa campagne électorale, ni même aller jusqu'au bout de son discours d'investiture, une fois élu. Et qu'on s'apprête aujourd'hui, malgré certaines résistances au sein même de l'armée, à faire rempiler à un cinquième mandat. Pourtant, dans cette connivence généralisée d'une classe politique et d'une presse qui avait été embrigadée pour tromper les Algériens, il n'y a pas d'autre verbe, tromper les Algériens. Et l'opinion publique internationale, certains sursauts de conscience se sont malgré tout manifestés, même si tous n'étaient ni spontanés, ni aussi innocents, ni aussi percutants qu'ils tentaient de le faire accroire. Il y a eu d'abord cette lettre des 19 personnalités de tous horizons, d'ex-ministres, des figures de la guerre de libération, des leaders des droits de l'homme. Une lettre adressée à qui ? Au président Bouteflika. Une lettre adressée au président Bouteflika. Et qui attire sa, je cite, sa haute attention sur la dégradation du climat général dans le pays. Pourtant, malgré l'absence de sens de cette lettre ouverte, en l'espace de quelques jours seulement, le nombre de ces 19 personnalités passa à quelques-uns. Seulement, les autres s'étant furtivement débinés. Il y eut d'autres appels. La déclaration d'Ahmed Talb Ibrahimi, Ali Yahya Abdennour et Rachid Ben Yelles, sous le titre « Ça suffit ». C'est de mon point de vue le texte le plus honnête, le plus direct et le plus courageux jamais signé par des personnalités politiques sur le sujet de cette prise d'otage. Sauf qu'à la fin du texte, les signataires donnent une sorte de quitus à l'armée. Je cite cet appel. Quant à l'armée nationale populaire qui demeure encore l'institution la moins dépréciée du pays, le moins qu'elle puisse faire, à défaut d'accompagner le changement qui s'impose et de participer à l'édification d'une république véritablement démocratique, c'est de se démarquer de manière convaincante du groupe qui s'est emparé indûment du pouvoir et entend le conserver en laissant croire qu'il a le soutien de cette même institution. Fin de citation. Le problème est, quand on sait que sans cette même armée, cette prise d'otage n'aurait pu se perpétrer, il y a en effet de quoi être dubitatif, pour le moins. Puis il y eut l'appel de Yasmina Khadra et 13 autres personnalités qui ont demandé à Bouteflika, de ne pas se présenter à un cinquième mandat. Et là aussi, curieusement, c'est à Bouteflika et non au preneur d'otages que la lettre est adressée, ce qui semble suggérer que c'est donc bien le président Bouteflika qui est aux commandes, et on se demande dès lors pourquoi lui demander de ne pas se présenter. D'autres appels de la même veine ont été lancés sans véritable impact sur la situation, encore moins sur l'opinion publique. Puis vint le fameux entretien du général-major à la retraite, Ali Rderi, à Al-Watan, sous le titre « Gayed Saleh face à une responsabilité historique ». Et là, je me contenterai de ne citer qu'un petit extrait de cette longue interview. Écoutez bien, je cite.
C'est M. Ali Rdiri qui parle. Je ne pense pas que le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh puisse permettre à qui que ce soit de violer d'une manière aussi outrageuse la Constitution. Il n'est pas sans savoir qu'il est le dernier de sa génération et que l'histoire est fortement attentive à ce qu'il fait ou fera. Je reste persuadé qu'il sera au rendez-vous de l'histoire comme il a été hier alors qu'il n'avait que 17 ans. Fin de citation. Et je rappelle, pour ceux qui ne suivent pas de près l'actualité algérienne, que le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh a déjà permis au clan présidentiel de violer outrageusement la Constitution. À deux reprises. Pour dire que nous sommes toujours dans les mêmes louvoiements qui font fi de la vérité. Et venons-en à présent à la contribution de Mouloud Hamrouche dans le journal Al-Watan, sous le titre très Montesquieu-Zar, de l'État et de la gouvernance. Une lettre qui n'est certainement pas destinée aux Algériens ordinaires, où il est question du modèle d'État westphalien du XVIIe siècle, de la Révolution anglaise de 1688 à 1689, et de la problématique de la corrélation entre l'État, la souveraineté, le pontife et les autres pouvoirs institutionnels, de la grande réforme allemande de l'Église et de l'État au XVIIe siècle et autres développements très alambiqués du genre. Mais en plus de la haute facture, si on veut, de la contribution dont on ne sait pas très bien à quel cercle d'initiés elle est destinée, puisqu'elle est très ardue, très sinueuse, elle n'a le mérite d'être claire que sur deux points. Celui de nous laisser deviner qu'il y a de l'eau dans le gaz au sein des généraux décideurs et que Hamrouche fait une offre de service, allez, disons-le comme ça, pour ce qu'il estime une transition impérieuse. Aujourd'hui. TSA, le rôle de l'armée selon Mouloud Hamrouche, par Faisal Metaoui. RFI, Algérie, la tribune remarquée de l'ancien chef de gouvernement Mouloud Hamrouche, par RFI. El Watan, il estime que l'État reste à construire, le sévère diagnostic de Mouloud Hamrouche, par Hassan Ouali. Hamrouche s'est-il exprimé? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai ici avec moi sur le plateau Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS. Karim Tabou, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de l'invitation, c'est Jamal. Bonsoir. Au téléphone, Sofiane Gilali, président de Gil Jadid, sauf qu'il ne restera que quelques minutes avec nous. Il nous a demandé de vite le libérer. Sofiane Gilali, merci d'être avec nous. Je vous remercie. Merci pour l'invitation. Merci. Et depuis le Canada, avec nous, en Skype, Adel Jabbar, observateur politique. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, Sofiane Gilali, donc je vais commencer par vous pour pouvoir vous libérer. Vous avez lu la lettre de M. Hamrouche, je présume, bien entendu. Bien entendu, oui, c'est quand même une contribution d'un homme politique qui a eu un rôle à un moment donné qui était au centre de la décision politique, bien que cela remonte maintenant à près d'une trentaine d'années, mais le regard d'un homme qui a été au cœur de l'action est toujours bon à lire et à comprendre. Alors, de façon claire, Sofiane Gilali, nous allons essayer de tous être clairs dans cette émission. Qu'est-ce que vous y avez compris? Qu'est-ce que nous a dit M. Hamrouche? S'est-il vraiment exprimé sur ces questions très graves qu'il a soulevées? Bon, je pense que le document en lui-même est une synthèse un petit peu sur la gouvernance, sur l'État, sur un peu la formation des nations. C'est des thèmes qui sont assez récurrents dans le milieu politique. Je ne pense pas qu'il faille en discuter réellement. Mais c'est plutôt le timing et l'intéressé lui-même qu'il faut considérer.
Hamrou, son homme politique avisé, qui connaît un peu le terrain, est un homme qui a aussi de l'ambition politique. C'est son droit absolu, personne ne peut le lui dénier. Je pense que c'est une manière subtile de dire qu'il est toujours alerte, qu'il est toujours en position de contribuer, qu'il a eu le temps de réfléchir, etc. Mais bon, de mon point de vue, je ne pense pas qu'il faille aborder la crise politique avec simplement des intentions, des prises de position. Moi, sincèrement, au-delà de la réflexion politique, qui est une absolue nécessité pour celui qui veut contribuer à changer les choses, mais il y a l'action. Or, l'action, ce n'est pas simplement la communication. Il y a une grave confusion qui s'est développée depuis quelques années, non pas seulement en Algérie, mais un peu partout dans le monde, où l'action politique est devenue synonyme de communication. Donc, on va à tour de bras, on fait des discours, on parle à longueur de journée, mais qu'est-ce qu'on fait dans le réel, dans la pratique? C'est là où se trouve le problème de l'Algérie. Comment mettre en perspective une réflexion et se donner les moyens de la réaliser? Ça, c'est très compliqué. Quant à revenir sur des thèmes qui ont été abordés par beaucoup d'autres, mais qui parfois ont de l'écho parce que la personne qui les porte est elle-même reconnue, et donc ses propos sont amplifiés. Et je peux vous dire que les thèmes que vous aviez cités tout à l'heure, je ne pense pas qu'il y ait un thème que la classe politique n'a pas abordé. Nous avons parlé de l'armée, des hommes qui dirigent, de l'État algérien, des faiblesses, etc. Mais parfois, certains sont considérés comme un peu des commentateurs, alors que d'autres qui disent autant ou peut-être moins, d'un seul coup, les propos prennent une ampleur incroyable. Et puis, il y a le réflexe, j'allais dire, anthropologique chez les Algériens. À chaque fois que nous avons un problème qui est devant nous, on retourne la tête et on va chercher dans le passé, dans notre mémoire, quelque chose ou quelqu'un pour nous sauver du piège dans lequel on est. Or, cette façon de faire n'est pas saine, n'est pas bonne. Il faut apporter du neuf. Il faut qu'il y ait un regard Pour revenir à la lettre de M. Hamrouche, est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment qu'à aucun moment, et c'est très innovant d'une certaine manière, contrairement au reste de la classe politique qui s'adresse à M. Bouteflika comme s'il était réellement aux affaires, est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment qu'à aucun moment il ne s'adressait au chef de l'État actuel, celui dont moi je dis toujours qu'il est pris en otage, et mieux que ça, écoutez bien cet extrait que je vais vous lire, il est très court, hein. Et c'est la raison, je le cite, « Et c'est la raison pour laquelle aucun pouvoir et ou aucune fonction d'autorité d'État ne s'exerce dans l'anonymat, sans habilitation, sans autorisation, sans vérification et sans contrôle a priori et a posteriori. C'est aussi pour que l'État ne soit jamais privatisé au profit d'un groupe, un intérêt, une secte ou une influence extérieure. » On a l'impression qu'il a dit beaucoup de choses là, dans ce passage. Non, c'est clair, mais juste, je voudrais vous reprendre sur un propos, Sébastien Chenouf. Oui. La lettre qui avait été adressée à M. Bouteflika, et vous avez dit, signée par Yasmina Khadra et 13 autres personnes, j'étais parmi ces signataires, et je peux vous dire, j'étais l'initiateur de cette lettre. Et je n'ai jamais caché dans mes interventions ma position concernant M. Bouteflika en disant qu'il est hors circuit, qu'il ne contrôle rien. Dans la lettre, même vous temps, adressiez, dans cette oui, lettre, vous vous adressiez au président Bouteflika. Oui, c'est clair. Parce que c'est un homme qui est conscient du mal qu'il fait à l'Algérie et qu'il veut rester en toute conscience président de l'Algérie jusqu'à la fin de ses jours. Le reste ne l'importe pas. Et on s'est adressé à sa conscience en tant qu'Algérien qui, normalement, ce que dit l'histoire officielle, aurait participé à la révolution. Et c'était à cet homme-là de le mettre face à sa responsabilité morale. Il n'est jamais été venu dans mon intention à un moment
qu'il allait lui-même, par lui-même, décider de quoi que ce soit. C'était une façon d'interpeller le sommet de l'État. Deuxièmement, concernant l'armée, je l'ai toujours dit et redit, il faut la responsabiliser par rapport à ce qui se passe dans le pays. Elle est la cause des graves dérapages. Et ce n'est pas responsable que de porter un discours au nom de la démocratie et de dire non, l'armée ne fait rien, l'armée reste dans les casernes. Non, l'armée est au cœur de l'État algérien et c'est elle qui prend les décisions stratégiques et il faut la mettre devant ses responsabilités et, justement, assumer les choix. Justement, M. Angileli, puisque vous m'y amenez tout naturellement, j'allais dire, une dernière question pour vous, avant de vous permettre de nous quitter. Monsieur le général-major Ali Khdiri, qui, parlant de Gaït Salah, affirme que le général de corps d'armée, Ahmed Gaït Salah, ne permettra jamais que la Constitution soit violée aussi outrageusement, etc., alors qu'il ne peut pas ignorer que Monsieur Gaït Salah a assisté, si ce n'est contribué, si ce n'est participé, si ce n'est couvert, la violation à deux reprises de la Constitution, en 2008 et en 2016. Il n'y a pas de doute. L'armée a couvert les turpitudes de M. Abdelaziz Bouteflika et elle lui a permis de triturer la Constitution à tout comme il l'a désiré. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, moi je ne suis pas dans la confidence, mais une lecture politique nous dit que le général à la retraite, Ali Khdiri, a tensé de cette façon-là Gaït Salah, c'est en fait une provocation, et ce qui a fait que Gaït Salah ait répondu avec autant de violence, parce qu'il avait bien compris le message. En fait, il était accusé de, quelque part, porter atteinte à l'image des anciens moudjahidines, de porter atteinte à l'image de la patrie, ça a été dit de façon indirecte. Donc je ne pense pas qu'il s'agissait de faire l'éloge de M. Gaït Salah, mais c'était de le ramener à sa réalité, c'est-à-dire qu'il est en train d'agir exactement comme ce qu'il ne devait pas faire. Sofiane Djilali, je vous remercie et au plaisir de vous retrouver. Merci à vous. Merci. Merci. Kerim Tabou. D'abord, au sujet de cette lettre, le timing, pourquoi M. Hamrouch s'exprime-t-il de cette façon en ce moment même? Merci, c'est Jamal. Moi, je pense qu'il y a deux éléments positifs de la lettre de Hamrouch. D'abord, il vient casser le rythme qui était là, de polémique, de politique qui s'exerçait par lettre interposée de généraux. Donc il y a quelqu'un qui est politique, qui vient et qui remet le débat et qui fait parler de lui. Pendant un mois, la scène politique nationale était réduite à des envois, des uns envers les autres et à des réponses soit par presse interposée, soit par personne interposée. Mais en tout cas, on a assisté à un débat généraux, à un débat… En rappelant toutefois que lui-même était officier supérieur de la même ANP. Oui, d'accord, à une certaine époque. Oui. Mais Hamrouch a bien exercé des fonctions politiques après. Oui, il a exercé des fonctions politiques. La deuxième remarque est que, voilà, encore une fois, Mouloud Hamrouch, quand il intervient, il ne peut pas, l'opinion publique, notamment le milieu de la presse, des intellectuels, des militants politiques, ne peuvent pas rester indifférents. Parce que d'abord, c'est un homme qui a un parcours particulier. Et puis également, c'est un homme qui a exercé dans la scène politique au sein de l'opposition. Oui. Beaucoup des initiatives auxquelles avait participé Hamrouch étaient comptées comme des initiatives, des événements de l'opposition. Je cite par exemple, il s'est retiré des élections avec les autres candidats en 1999. C'était un acte politique important. Et je passe sur la période où il était Premier ministre, etc. En tout cas, Hamrouch, 20 mois de gestion à la tête du gouvernement, a laissé beaucoup de traces, a laissé parler de lui
pendant des années. Et on continue de parler. Et certains disent d'ailleurs qu'il fut le meilleur chef du gouvernement. Voilà. D'une façon. Peut-être que le contexte était un contexte particulier. C'est-à-dire que c'était lui qui avait pensé les réformes et que les réformes avaient immédiatement donné quelques espoirs. Et par la suite a donné de la lumière à Mouloud Hamrouche, puisque la suite c'était la guerre. Oui. On a arrêté un processus politique, au profit de quoi? Au profit de la guerre, au profit de la mort, au profit de tout a été cassé. Donc, mais peut-être faut-il souligner aussi sa contribution à un processus un peu chafouin, celui du découpage électoral, où il a joué un rôle héroïque. En tout cas, c'était une période de l'histoire du pays qui a fait chevaucher beaucoup d'événements, beaucoup de processus, et Mouloud Hamrouche était au cœur de tous ces événements. Ça va parler de lui encore, en bien, en mal, par les gens qui vont dire qu'il a été bien, par les gens qui vont dire non, il porte des responsabilités. En tout cas, voilà. Et la preuve est que depuis, je dirais, une année, peut-être c'est l'une des contributions qui a eu plus de commentaires sur les réseaux sociaux, dans la presse. Et puis généralement, soit lui, soit d'autres premiers ministres, quand ils interviennent, c'est immédiatement, ça fait objet d'études, de lectures, de débats. Mais est-ce que c'est parce qu'il ne s'exprime pas, justement? C'est beaucoup de gens qui utilisent cette méthode, j'allais dire, pour être plus audible, c'est de se taire un long moment, et quand ils sortent sur la scène publique, ils attirent forcément l'attention de tout le monde. Bien sûr, bien sûr, c'est ce qu'on appelle... Ceux qui cultivent le mystère. Et voilà, quand on cultive le mystère, on a toujours tendance à attirer l'attention des gens. Et quand on brise le mystère, quand on perce le mystère, et voilà, on a les phares, tout est braqué sur nous. Mais en tout cas, au-delà de son contenu, Mouloud Hamrouche reste un élément, un homme politique qui, à chaque fois, intervient. Et quand il intervient, ça fait objet de débat, ça fait objet de lecture, ça fait objet... Même dans les lieux qu'on ne voit pas. Moi, je suis convaincu qu'une lettre de Mouloud Hamrouche est immédiatement objet de notes qui soient adressées à Paris, à Londres, à Washington, et puis il est discuté dans des cercles. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Voilà. Donc, quand même, on ne peut pas ne pas tenir absolument, compte. On ne peut pas ne pas. Deuxième, comme dans tous les messages politiques, les questions qui viennent à l'esprit. À qui on a adressé ce message? C'est la question que je m'apprêtais à vous poser. Et assez souvent, on a plusieurs, et personnellement, je les résume, en trois destinations habituelles. Des hommes politiques adressent les messages au peuple, à la population. Oui. Ils adressent le message au pouvoir. Ils adressent le message à l'étranger, à l'opinion publique, qu'on appelle à l'opinion publique internationale. Dans le cas de cette lettre de Hamrouche, et j'espère ne pas me tromper, c'est l'essentiel du message est adressé au pouvoir, au détenteur du pouvoir, et particulièrement à l'institution militaire. La deuxième, on peut trouver certains passages, certains concepts, certaines des idées qui sont lancées pour le débat, qui est, je dirais, adressé à une certaine élite qui va donc travailler dessus. Mais en finalité, ce que j'ai compris, et j'espère ne pas me tromper, Mouloud Hamrouche continue de faire un double exercice. Le premier exercice, ou le premier message, il l'adresse au pouvoir en disant je peux être utile à dépasser des situations. Une offre de service pour une transition. J'appelle pas offre de service, mais en tout cas, il marque le point, il marque la situation, il met son empreinte dans la situation. À un moment, souvenons-nous, si jamais le Maghrebia, on a fait beaucoup d'échos sur ça, la qualité médiocre du débat politique en Algérie. Donc ça aussi, il donne de la valeur aux rares qui, quand ils écrivent des lettres, quand ils envoient des messages politiques à contenu politique, ils font l'événement. Quand vous voyez à longueur de l'année, pendant, j'allais dire, 3 ans, vous avez les Jamal Ould Abbas, les Ben Hammoud, les Louise Hanoun et les autres, et puis à la fin, vous avez une lettre de cette étoffe, de cette dimension. Nous sommes désolés, mes chers amis, un incident technique qui ne dépend pas de notre volonté, comme on dit. Nous nous en excusons
Très humblement, merci beaucoup, merci à vous. Je reviens à vous, Karim Tabou, je vous laisse poursuivre. Vous avez été coupé au moment où... Et effectivement, et je disais que le deuxième élément important à retenir de cette lettre, c'est que à chaque étape de la vie du pays, de la vie politique, Mouloud Hamrouche prend acte avec l'histoire, en fait. Il dit on est en crise, vous ne voulez pas, nous vous mettons en garde, mais vous assumez vos responsabilités. En fait, voilà ce que j'ai pu résumer dans sa lettre. Par contre, la critique que je fais de cette lettre est que dans cette lettre et dans beaucoup de lettres de Hamrouche, on trouve rarement les messages qui soient adressés à la population en termes d'espoir, en termes de messages sur lesquels les gens devront se remobiliser, remobiliser le débat, réengager le débat, mais tous les débats devront avoir des perspectives. Un débat qui n'a pas de perspective, qui ne relance pas l'espoir de la population, qui ne recrée pas l'envie chez les Algériens, d'abord de s'intéresser à la politique et de donner des finalités à la politique. La politique doit avoir une finalité. Un discours politique doit être capable d'enrôler dans sa dynamique de sa diffusion, mais également de ce qu'il provoque comme débat, doit avoir une finalité. Et on voit très rarement... et pas seulement Hamrouche, beaucoup d'hommes politiques préfèrent adresser leur message en direction du pouvoir, des décideurs, de l'institution militaire et des autres partis IES du pouvoir. Et là, ça fait justement que ce débat ne soit pas, donc, n'est pas propagé au sein de la population, ne provoque pas un débat de population. Et pourtant, l'Algérie vit un moment important. Il n'est pas normal, et on ne le dit pas assez, qu'à 3 mois d'une élection présidentielle déterminante, la vie d'un pays en subira les conséquences des décisions qui vont se prendre dans des conditions de flou total, d'opacité au point de s'interroger est-ce que ce pays ne court pas des risques majeurs sur le court terme. Et toutes ces interrogations, toutes ces inquiétudes qui sont en train d'impacter négativement l'Algérien, cet Algérien qui attend de la classe politique qu'elle lui facilite les lectures, qu'elle lui offre des perspectives, qu'elle lui trace les chemins pour s'extraire de ce blocage, de ce statu quo mortel. Et voilà, en tout cas, pour cette fois, on n'a pas les réponses à toutes ces questions. Tout à l'heure, vous avez semblé réfuter un peu cette formule d'offre de service. Pourtant, Mouloud Hamrouche lui-même, à un certain moment, il avait fait une sorte de leitmotiv qu'il utilisait, que ce régime ne pouvait être changé que de l'intérieur. C'est sa conception, c'est juste, je ne sais pas refuter, mais offre de service assez souvent, la connotation est que offre de service attente et on offre ses services généralement au pouvoir. Or, dans le texte de Hamrouche, on le trouve beaucoup de résonance au mot « État ». Souveraineté, nécessité de repenser ce pays, le reconstruire sur des bases. Donc, c'est plus une offre de service parce que, lui, il se considère compétent, disposant d'aptitudes à offrir pour les processus de construction que la connotation par laquelle Hamrouche, on peut le soupçonner de vouloir être candidat. Moi, je ne pense pas de cette manière. Les critiques que j'ai mises à l'égard de ces contributions, c'est le fait que, assez souvent, les messages de Hamrouche n'arrivent pas à enclencher des logiques d'adhésion au sein de la population. Et je pense qu'il n'a pas pensé à ça. Il pense provoquer des dynamiques d'adhésion plus à l'intérieur du pouvoir des institutions, parce qu'elles pèsent plus lourd peut-être dans la conception de certains que le poids de la population. Et on voit... Mais on sent très bien qu'il ne s'adresse pas du tout à la population. Mais en c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Et à l'étranger, aux puissances étrangères qui s'impliquent très directement, un peu beaucoup directement, je dirais, dans la gestion du pays, vous pensez que... Il y a deux choses. Quand on évoque le regard de l'extérieur, il y a deux choses, il faut bien les distinguer. D'abord, le pouvoir politique fait tout pour rendre
impossible la compréhension de ce qui se passe dans ce pays. Le pouvoir algérien a développé un art particulier de rendre incompréhensible la situation. Vous savez, il y a des diplomates qui sont venus, ils ont exercé en Algérie pendant des années, et puis quand ils devaient quitter, ils sont partis avec le sentiment d'amertume de n'avoir rien compris dans ce pays. Et vous voyez très bien que c'est devenu même un mode de gestion que de ne rien laisser, sinon de tout faire pour que les étrangers ne comprennent pas ce qui se passe dans ce pays. Je reviens à vous dans un instant. Adel Jabbar est avec nous. Adel Jabbar, d'abord, d'après vous, quel est le cœur de cible de cette contribution de M. Hamrouche, comme le disait Karim Tabou, est-ce le pouvoir lui-même, et dans ce cas, pourquoi ne s'est-il pas adressé à lui directement par les canaux habituels qui doivent exister entre lui et eux, aux parties étrangères ou à la population? Monsieur Mouloud Hamrouche a toujours été vu comme quelqu'un qui a vraiment de la grosse profondeur dans ses idées, avec une vision bien claire de l'État et de la gouvernance. Je reconnais d'entrée de jeu que M. Hamrouche a donné à l'Algérie le seul gouvernement compétent, sérieux, dont le comportement se voulait débarrasser des tutelles, y compris la présidence de Chedli à l'époque. Et il voulait aussi faire de l'imputabilité et de la responsabilité gouvernementale, quelque chose qui devrait être soumis à la seule opinion du peuple, à travers ses représentants ou son parlement. Malheureusement, force est de constater que M. Hamrouche et son gouvernement n'émanaient pas du tout de la légitimité du peuple, du choix du peuple, mais celui des décideurs de l'époque. C'est un chef de gouvernement qui a été désigné par les décideurs, démis par le président à l'instigation des décideurs, qui sont pour moi l'armée. Concernant sa tribune, personnellement, je pense qu'il s'agit d'un énoncé de science politique qui clarifie la définition de l'État, ses missions, son organisation, son statut, son autorité, son pouvoir et surtout sa pérennité d'une part, et de la gouvernance d'un pouvoir politique agissant dans le cadre des lois de cet État, avec une autonomie de décision pour exécuter les politiques pour lesquelles il a été élu grâce au suffrage universel. C'est ce suffrage universel qui a manqué cruellement à Mouloud Hamrouche dans les années 90-91. Le gouvernement, le pouvoir dont il parle, qui incarnerait sa gouvernance, doit être autonome dans toutes ses décisions. Il nous l'a montré avec toutes les réformes qu'il avait engagées à l'époque, la loi sur la monnaie et le crédit, la loi sur l'autonomie des entreprises, un certain nombre de réformes qui sont, la loi sur la presse, un certain nombre de réformes qui sont restées ancrées et populaires jusqu'à maintenant, 27 ou 28 ans après. Mais malheureusement pour lui, on est loin de ce cas de bonne gouvernance et de l'État pérenne qui est en train de nous définir M. Hamrouche. Alors, parlons, Adel Jabbar. Excusez-moi de vous interrompre. Alors, M. Hamrouche, parlons de trois fondements, selon lui, fondements de notre renaissance, dont il dit qu'un dysfonctionnement pourrait les mettre en danger, la liberté, l'indépendance et la souveraineté. Alors, il dit ceci, je le cite. Hein. La suprématie de la solution nationale en interne demeure de mise. Tout pouvoir de secte, d'ombre ou d'influence non identifiée qui échappe à tout contrôle est une menace traîtresse contre l'État et ses trois fondements. Car dans de tels cas de figure, même le recours à l'armée risque d'être inopérant. Est-ce que vous pensez qu'il a ciblé particulièrement un groupe en particulier, celui des preneurs d'otages de l'institution présidentielle?
Je ne pense pas. Moi, je pense sincèrement que nous sommes dans un état de prise en otage depuis les années 62. Moi, j'imagine que cette tribune devait être adressée à l'armée en 62, qui a été putschiste. Les gens de l'époque, les Belkhedda, les Farhat Abbas, Saïd Ahmed Poudiaf, etc., donc les chantres de la révolution, avaient dit non, mais l'armée a intervenu, elle a mis ses deux pieds dans la politique, elle n'en est jamais sortie. Donc si M. Hamalouche nous dit que l'armée ne devrait pas s'intéresser ou s'impliquer. S'intéresser ou s'impliquer dans la politique, ce n'est qu'un leurre et un gros mensonge. L'armée n'a jamais quitté la politique. Qu'est-ce que nous devrions dire des paras télévisuels, de la guest star de la télévision, M. Gaïd Salah, qui passe tout son temps à faire des déclarations au niveau de la peut-être, presse. Peut-être est-il en train de le lui reprocher. Peut-être est-il en train de lui dire qu'il devrait laisser les partis politiques, la société civile, s'occuper de remettre le pays en état, de séparer les pouvoirs et d'aller vers une vraie transition qui pourrait amener à cette situation idéale, j'allais dire. Si ce n'est idyllique. Mais ils sont en train de se foutre de la gueule du monde. Ce n'est pas avec une équipe qui a ruiné ce pays qu'on va essayer de reconstruire. Quelqu'un qui est spécialisé dans la démolition ne fait que démolir. Le reconstructeur a une autre expertise. Moi, je pense que ceci est un leurre de la part de M. Hamalouche. Lui-même, n'oubliez pas, c'est un militaire de carrière. C'est l'enfant du système. Il sait que l'ANP n'a jamais rien fait d'autre depuis 62 que de la politique. Donc, qu'il dise à Gaïd Salah, voici ce que je pense, nous savons ce qu'il pense. Et il l'avait dit en 91, je veux me dédouaner de toutes les tutelles. Il avait à l'époque remis en place l'ex-DRS, il avait remis en place la présidence, il a même dit à Chadli, je ne veux pas relever de vos compétences, moi mon imputabilité, ma comptabilité et mes responsabilités, ils seront jugés par le peuple. Or malheureusement, l'Assemblée nationale est une Assemblée nationale qui n'est pas elle-même l'émanation du peuple. Donc on est en train de tourner en rang, je lui reconnais un gros talent de bon écrivain, qui fait de bons essais, de bons énoncés de sciences politiques, mais de là à vouloir dire c'est une offre de service pour sortir de la crise, je ne pense pas. Et restez moi, avec nous, Adel Jabbar, restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Karim Tabou, qu'est-ce que M. Hamrouche entend par État national? Excusez mon manque de culture politique. Pourquoi revient-il souvent sur cette notion d'État national? Ça veut dire quoi? Et en tout cas, la trilogie qu'il a énoncée. État national, État souverain, liberté, etc., indépendance et souveraineté. Mmh. C'est à la fois des concepts qui sont intimement liés l'un à l'autre. Et il rappelle également qu'une des promesses majeures du combat libérateur, c'était justement fonder un État. Fonder un État qui soit l'État qui devait appartenir à la nation. Or, cet État a été enlevé à la nation, il n'appartient pas aux Algériens, et depuis, Mouloud Hamrouche le sait plus que quiconque, que cet État a été l'otage, soit d'appareil. Et je pense qu'il a voulu, si j'ai bien compris son message, il a voulu mentionner le fait que la dérive, la déliquescence, le dérapage a atteint le stade où l'État est passé de l'État otage d'appareil à l'État otage de personne. Parce qu'à un certain moment, les caractéristiques du pouvoir algérien, il les connaît assez. Nous avons débattu la classe politique, etc., de ce sujet. Et la triptyque de l'état-major du DRS et de la présidence, beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'hommes politiques algériens, avait schématisé, en tout cas, la façon dont s'exerçait la prise de décision, le pouvoir dans l'État. Mais dans l'absence d'un État qui soit un vrai État, au service de la nation, qui soit des normes qui sont opposables et imposables à tous, qui organisent... En fait, l'État, il est fait pour. L'État est fait pour garantir le bonheur de la population.
Mais il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour aller vers ces équilibres, somme toute, vieux de plusieurs siècles. Séparation des pouvoirs, entre autres. Et malheureusement, et là, il y a des graves divergences dans la classe politique. L'événement a pris le dessus sur les débats de fond dans ce pays. On débat des événements plus qu'on débat du débat de fond, des questions de fond, parce qu'il y a ceux qui pensent qu'on n'a jamais fondé un État, qu'on n'a jamais construit un État. On a construit à la place d'un État, on a construit un pouvoir. Et c'est un débat. C'est un débat. Oui. J'aurais une question pour vous sur ça, justement. Même les concepts, je pense qu'une partie de la classe politique, je suis inclus dans cette classe politique, nous avons consommé et nous faisons des usages de certains concepts, mais qui n'ont pas d'ancrage dans notre société. Parce que quand on parle de séparation des pouvoirs, comme si dans ce pays il y a des pouvoirs et qu'il faut juste les séparer. Absolument. On n'a jamais fondé ces pouvoirs. Ces pouvoirs n'existent pas. Donc l'État n'a jamais existé autant qu'État qui répond aux normes des États tels qu'ils existent. Ils existent oui. En tant qu'instrument au service d'un régime. On a eu un débat avec M. Mouloud Hamrouche sur l'ancien slogan du FFS qui fut, d'Aït Hamid, qui fut le droit à l'autodétermination du peuple algérien. Donc il y a eu tout un débat entre ceux qui pensaient que le peuple était autodéterminé parce qu'il y a un territoire, il y a un drapeau, il y a un siège aux Nations Unies, il y a un État qui s'appelle l'État algérien, qui a l'hymne national, donc le décoratif, le visuel de l'État, il est là. Mais quand on aborde la notion de l'État qui soit l'instrument de la nation, en fait, ce n'est pas vrai, il n'existe pas. Et à la place de cette logique naturelle, en tout cas de ce qu'on a connu comme définition des sciences politiques, des savants en la matière, on ne l'a pas eu. On a eu un pouvoir qui a triché pendant des années, qui a fait dans une logique de bluff en permanence. Et Hamrouche, aujourd'hui, nous remet dans un débat qui est important. Mais personnellement, il est en décalage avec les urgences du pays. Il est en décalage avec la situation. Mais à vous comprendre, Karim Tabou, à vous comprendre, et je vous entends très très bien, il n'y a jamais eu réellement de véritable État dans ce pays. Alors pourquoi beaucoup de voix se lèvent aujourd'hui au sein de l'opposition pour revendiquer l'avènement d'une deuxième République? Or, pour qu'il y ait une deuxième République, encore faudrait-il qu'il y en ait eu une première. Oui, parce qu'on fait des usages. Les usages du slogan politique sont différents. On peut se créer un usage par lequel on veut créer une résonance dans la société, donc une espèce de choc. Syntaxique. Qui doit provoquer des interrogations en moi. Mais dans la réalité, moi personnellement, je fais partie de ceux qui pensent qu'on n'a jamais créé un État au sens moderne du terme, au sens de l'État qui répond. Ce serait donc impropre que de revendiquer une deuxième République. Ce serait reconnaître qu'il y en a eu une. C'est simple. Ouais. Nous allons tenter de mesurer l'existence de l'État à sa propre définition dans notre pays. D'accord. L'Algérie se définit comme une république algérienne démocratique et populaire. Autant de pléonasmes que de termes prononcés. Donc nous allons la soumettre à l'évaluation de ces composants. La république algérienne est-elle une république qui est gérée par le public? Non. L'Algérie est une république sans public. Est-ce qu'elle est démocratique? Non. Dans l'apparence, elle proclame tous les mots de la démocratie. Dans la Constitution, dans les lois, dans nos débats, dans nos discussions, on proclame tous les mots de la démocratie. Mais en fait, dans l'exercice, on fait tout le contraire de ces mots. Donc, c'est cette confusion-là. Et est-ce qu'elle est démocratique? Est-ce qu'elle est démocratique? Non, pas. Nous sommes dans un pays où, dans 3 mois, il va se passer un événement capital dans la vie des nations. Et nous, en tout cas, on attend que des décisions soient prises derrière le rideau, dans l'opacité. Une question. Alors, est-ce que dans cet extrait que je vais vous lire, Monsieur Hamrouche, très court, Monsieur Hamrouche a-t-il voulu viser principalement l'armée en faisant comme s'il parlait de l'État d'une façon générale? Alors, écoutez bien. L'État, à l'instar de l'armée, ne peut, du fait de sa nature et de la nature de ses missions, de son rôle et de sa finalité, structurer la société. Et ce qui structure une société, ce sont les partis, le débat
et l'intérêt. Mais le débat ne peut à lui seul avoir de sens et de contenu dans une situation délétère et de légèreté. Sans engagement et sans militantisme politique, économique, social et culturel. Est-ce que là, il ne désigne pas l'armée comme étant principal responsable de la situation actuelle? Oui, je pense que c'est ce qu'il dit. Il s'adresse très clairement à l'institution la plus puissante qui est l'armée. Dans un état normal, l'armée aurait été une institution dans l'État. Or, on est dans des rôles inversés. On est dans une situation où l'État est englouti, est complètement sous domination, pour ne pas dire que tout ce qui aurait pu faire l'État est réduit à l'institution militaire. Pourquoi ? Parce que déjà, depuis le début, en 62, et ce qui a suivi après l'édification, entre parenthèses, du pouvoir, on a toujours dans le mental des dirigeants algériens. C'est un peu un héritage ancien, mais c'est également le mental du dirigeant algérien a fait que la définition de l'État était réduite à la puissance des institutions sécuritaires. Dans beaucoup, chez beaucoup de dirigeants, tous ceux qui ont exercé le pouvoir dans l'administration ou dans les autres institutions, c'est une question de pourcentage. Mais dans la majorité de ceux qui ont exercé des fonctions, les hautes fonctions, entre parenthèses, du pouvoir, ont eu à hériter et à avoir une définition assez perverse, erronée de l'État, réduite à la puissance des institutions sécuritaires. Et donc, aujourd'hui, quand on évoque l'État, il y a un renvoi systématique aux institutions sécuritaires. On n'a jamais pensé que l'État... Ce sont des institutions, ce sont des normes, ce sont des règles du jeu. Et quand on évoque la société, les partis politiques, etc., quand on évoque les partis politiques et la société avec toutes ces dimensions, on remet le débat dans la nation. En fait, la nation a été privée de son instrument d'existence, d'expression, qui est l'État. Malheureusement, c'est la situation du pays. Adel Jabbar, je vais vous faire écouter d'abord ce que nous dit M. Hamrouch au sujet du gouvernement qu'il a assuré, puis je vous poserai une dernière question. Adel Jabbar, et si dans l'absolu, j'allais dire, M. Hamrouch, appelons-le comme on veut, offre de service ou se porterait au front de la transition, comme il dit, est-ce que vous pensez qu'il pourrait faire l'affaire, pour parler de façon triviale ? Je ne pense pas. Moi, je ne crois pas en l'homme providentiel. Dans les prophéties. Moi, je ne crois qu'à une seule chose. Donner la liberté au peuple de choisir qui il veut. C'est mon principe et c'est celui-là que j'ai toujours défendu, que je défends. Maintenant, quand on essaye d'imposer des responsables par le haut, ça ne marche pas. Les solutions des appareils ne marchent pas. Monsieur Tabou disait tout à l'heure qu'en 62, nous n'avons pas pu construire un État parce que nous n'avons jamais eu d'hommes d'État. Nous avons eu des hommes de pouvoir. Le dernier d'entre eux est en train de dire aujourd'hui « l'Algérie, c'est moi, le pouvoir, c'est moi », comme le disait un monarque du Moyen-Âge. Donc, Monsieur Hamrouch, avec toute la bonne volonté qu'on lui doit, toute l'expertise, la compétence qu'on lui reconnaît, tant qu'il manquera de légitimité, il ne fera absolument rien. On ne peut pas gérer un pays sans son peuple. On ne peut pas imposer des choses qui contraignent un peuple à être gouverné par la force. Tant que nos politiques ou nos politiciens raisonnent de cette manière, de façon arbitraire, autoritaire, agressive et violente, nous n'avancerons pas d'un iota.
Moi, pour ce qui me concerne, j'estime qu'un homme est égal à une voix et une vie est égale à une autre. Il n'y a pas une vie qui vaut plus que celle d'un autre. Et donc, qu'ils viennent aujourd'hui sortir de l'ombre, j'avais pensé à une chose, je n'ai jamais compris pourquoi nos politiciens restent tapis dans l'ombre pendant 5 ans. Et puis ils interviennent à la veille de grandes échéances électorales. Et ils me rappellent un petit peu le caractère cyclique de la sécheresse qui frappe l'Algérie une fois tous les 5 ans. Adel Jabbar, merci infiniment. Je suis désolé, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci Karim Tabou. Merci. Merci à Soufiane Gilali. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Samhouna, excusez-nous pour l'incident technique tout à l'heure. J'espère qu'il ne se reproduira plus. Merci beaucoup. Bravo à la khair. Thank you.